On m'a demandé de vous parler un petit peu du cancer du rectum. Vous allez voir que c'est un cancer qui a beaucoup de particularités communes avec le cancer du côlon que vous venez tout juste de terminer avec le professeur Cédédélis. Vous allez voir qu'ils ont des points communs en termes d'éthiopathogénie causale, des points en commun avec l'étiologie justement. Et ce qu'il faut savoir, et peut-être remettre un petit peu les choses dans le bain, c'est qu'ils partagent non seulement une éthiopathogénie qui est commune, mais surtout aussi l'incidence. Eh bien, l'incidence en Algérie, ça a été, j'allais dire, actualisé, puisqu'on vous a dit tout à l'heure que c'est le deuxième prélèvement. Finalement, vous voyez un petit peu les registres des tumeurs d'Alger, ils sont calqués sur les registres des tumeurs donc, nationales, du registre national du cancer. Vous voyez que finalement, le cancer colorectal passe en première position après donc le cancer de la prostate et le cancer du poumon. Si bien que c'est une question qui est extrêmement importante à connaître, de fait justement de cette incidence. C'est-à-dire que dans les années à venir, vous allez avoir à prendre en charge plein de cancers colorectaux et qui donc il faudrait se parer à faire face à cette influence et cette incidence du cancer colorectal, notamment sur le plan de la prise en charge, mais aussi sur une prise en charge qui sera probablement coûteuse, puisque 25 à 30% des cancers colorectaux sont diagnostiqués au stade métastatique. Et qui dit stade métastatique, c'est-à-dire un pronostic qui sera probablement greffé et donc pas bon. Et donc, il faudrait ça avoir ça en tête. Alors, chez la femme, il faut savoir qu'actuellement, il occupe la deuxième position, très loin après le cancer du sein, qui reste un problème de santé publique. Alors, si on voit un petit peu les chiffres ici en Algérie, vous voyez selon le réseau national des registres du cancer publié en 2016 sur le site de l'Institut national de santé publique, et éventuellement, je vous demande d'aller donc voir sur le site de l'INSP les différents donc registres nationaux et régionaux sur l'épidémiologie du cancer colorectal. Vous allez avoir les chiffres les plus récents. Et les plus récents, je vous les ai montrés aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près presque 5 000 nouveaux cas de patients porteurs d'un cancer colorectal en Algérie aujourd'hui. Et comment on fait la part des choses entre cancer du côlon et cancer du rectum? Il faut savoir qu'à peu près pour l'ensemble des cancers du colorectal, il y a 65% de cancers du côlon et 35% de cancers du rectum. Autrement dit, il y a une parité de 2 tiers de cancers du côlon pour 1 tiers de cancers du rectum. Il faut savoir que la prise en charge est complètement différente. Il faut savoir aussi que le cancer colorectal est le premier cancer digestif, tous sexes confondus. C'est le premier cancer chez l'homme, avec une incidence de 16,5 nouveaux cas chaque année pour 100 000 habitants. Et chez la femme, c'est le deuxième cancer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après le cancer du sein, avec une incidence qui avoisine le 11,6 nouveaux cas par an pour 100 000 habitants. Autrement dit, à 85% des cas de cancer colorectal sont diagnostiqués après 50 ans. C'est pour ça que tout à l'heure, le professeur Cédric et le docteur Layada vous a dit que probablement dans la prévention et dans le dépistage, il faut aller dépister la population de plus de 50 ans, puisque ce cancer est retrouvé dans 85% des cas après 50 ans, avec un pic de fréquence particulier pour la sixième décade entre 60 et 70 ans. Et il faut savoir que la survie globale, tout stade confondu, c'est-à-dire stade 1, stade 2 jusqu'au stade 4, qui est le stade métastatique, ne dépasse pas les 60%, et ceci à cause justement de ces cancers colorectaux-métastatiques qui sont un diagnostic. Alors d'abord, toute chose, comment définir un cancer donc du rectum? On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, ce sont des cancers épithéliaux développés à partir de la paroi rectale. Et dans 95% des cas, il s'agit d'adénocarcinome. Je dis bien adénocarcinome, dans 95% des cas. Autrement dit, dans les 5% qui restent, il va y avoir d'autres types histologiques. Et parmi ces types histologiques, vous avez le carcinome épidermoïde, vous avez les tumeurs mésenchymateuses ou stromales, ce qu'on appelle les gystes, communément les gystes, vous avez les tumeurs neuroendocrines, vous avez les mélanomes malins et vous avez les lymphomes. Ce sont les types histologiques les moins fréquents, exceptionnels qu'on retrouve au niveau du rectum. C'est pour ça qu'on les a exclus un petit peu de l'étude et on va parler uniquement des adénocarcinomes qui représentent 95% donc du type histologique qu'on retrouve au niveau, que ce soit de la muqueuse rectale ou de la muqueuse
colique. Alors, bien entendu, je ne vais pas revenir sur ça. Probablement, ça a été dit probablement par le professeur Cédidéris, que je vous ai dit au départ qu'il y avait une étiopathogénie causale qui était commune au côlon et au rectum. Et donc, une des causes ou des lésions précancéreuses qu'on retrouve dans le cancer du rectum, c'est l'adénome. Autrement dit, à 80% des cancers colorectaux qui vont se développer à partir de cette prolifération tumorale et la dégénérescence de cet adénome ou de ce polype, elle est fonction de la taille. C'est-à-dire, plus on augmente dans la taille, plus on a un risque de dégénérescence. Mais il n'y a pas uniquement la taille, il y a aussi l'importance de la composante villeuse, c'est-à-dire le type histologique qui peut être entraîné, donc une dégénérescence, fonction du pourcentage de cellules villeuses qu'on va retrouver un petit peu dans cet adénome, mais aussi les maladies inflammatoires qui peuvent faire le lit éventuellement du cancer, mais surtout la maladie, donc la rectocolite ulcéro-hémorragique. Bien entendu, ce n'est pas l'ensemble des RCH qui vont faire un cancer, mais une partie, autrement dit à peu près 15 à 20% des rectocolites ulcéro-hémorragiques après plus de 15 à 20 ans d'évolution, vont développer un cancer. Je dis bien, pas l'ensemble des RCH, il faut me comprendre. Et quels sont les RCH, les maladies inflammatoires qui vont développer ce cancer? Ce sont essentiellement les maladies inflammatoires qui sont très mal suivies au niveau des services d'endoscopie digestive ou de gastroentérologie. C'est pour ça que les maladies inflammatoires doivent être régulièrement suivies pour pouvoir diagnostiquer une éventuelle dégénérescence à un stade utile. Alors, les autres facteurs de risque, comme vous le savez, ce sont essentiellement les facteurs environnementaux. Autrement, l'alimentation actuellement, comme vous le savez, elle est très riche en graisse animale et très pauvre en fibres, ce qui favorise éventuellement la genèse ou la cancérogénèse du cancer colorectal. À part donc, cette alimentation riche en graisse, vous avez la consommation excessive d'alcool et l'exposition professionnelle à certains produits toxiques tels que l'amiante ou les acrolinitrites. Donc, c'est des facteurs favorisants de la genèse qui favorisent éventuellement la carcinogénèse du cancer colorectal. Alors, j'insisterai sur ça surtout. Ce sont les groupes d'individus à risque. Autrement dit, si on doit parler de dépistage, il faut aller vers les groupes à risque. C'est eux qu'on va éventuellement dépister pour pouvoir avoir des stades utiles pour pouvoir améliorer le pronostic de ce cancer colorectal. Le premier groupe d'individus à risque, c'est ce qu'on appelle le groupe à risque très élevé. Fort heureusement, il ne représente que 1 à 3% des cas. Et ce sont essentiellement les cancers génétiques. Et parmi les cancers génétiques, vous avez deux entités particulières. Vous avez la polypose adénomateuse familiale, qui représente 1%, et vous avez le syndrome de Lynch, autrement dit l'héréditary non-polypovis colorectal cancer, qui représente 3 à 5%. Alors, il faut savoir que la polypose adénomateuse familiale, elle est due à une mutation donc, du gène APC sur le bras du chromosome long, du chromosome 5. Et comment la reconnaître? C'est surtout en endoscopie digestive, vous allez avoir un tamis, c'est-à-dire autrement dit plusieurs polypes, sans espace de muqueuse saine, plein de polypes. C'est ça la polypose adénomateuse familiale. Elle est d'expression carrément endoscopique et le diagnostic de cette étude, bien entendu, il est sur la recherche génétique. Vous pouvez avoir également, au cours de la polypose adénomateuse familiale, des polypes duodénaux. C'est pour ça que dans le bilan de surveillance d'une polypose adénomateuse familiale, il faudrait faire à coup sûr une fibroscopie œsogastro-duodénale avec une latéroscopie pour aller voir s'il y a ou pas des polypes, auquel cas il faudrait les prélever parce qu'il peut y avoir de la dégénérescence derrière, soit de la dysplasie, soit du cancer. Donc, lorsque vous avez affaire à une polypose adénomateuse familiale, il faudrait faire non seulement une colonoscopie totale pour voir cette pathologie, mais aussi de faire une fibroscopie œsogastro-duodénale pour voir s'il n'y a pas de polype duodénaux. Le deuxième groupe à risque, c'est le syndrome de Lynch. Le syndrome de Lynch, lui, il est dû à quoi? Il est dû à un déficit en ce qu'on appelle en protéine réparatrice de l'ADN. Vous savez que chaque cellule, elle a un ADN. À un certain moment, vous avez une cassure de l'ADN et ces protéines réparatrices viennent réparer cette cassure. Et lorsque ces protéines sont déficientes, vous n'avez pas de réparation de l'ADN et vous avez la cellule tumorale qui va se multiplier, qui va proliférer et qui sera à l'origine justement de la cancer et de la cellule cancéreuse. Donc, le syndrome de Lynch est dû à un déficit
en protéines réparatrices qu'on appelle les MMR, qu'on peut éventuellement rechercher dans les tests génétiques. Donc, retenez ces deux pathologies, ces deux cancers digestifs, font partie du groupe à risque très élevé qu'il faut savoir détecter, probablement donc traiter. Alors, le deuxième groupe, qu'on appelle le groupe à risque élevé, il représente 15 à 20% éventuellement donc, comme fréquence. Il faut savoir pour vous trois choses. Le risque est multiplié par deux lorsque, par exemple, vous avez eu un antécédent personnel, vous, d'un cancer éventuellement colorectal. Si, par exemple, quelqu'un a fait un cancer du côlon, il a deux fois plus de risque de faire encore un cancer du côlon ou du rectum. C'est ce qu'on appelle le groupe à risque. Ou plus de 1 cm. Le risque est multiplié par deux par rapport à un patient qui est sain, qui n'a pas eu d'antécédent colique, de cancer colico-rectal ou qui n'a pas eu d'adénome. Si vous avez le risque également est multiplié par deux, si vous avez un apparenté, c'est-à-dire un parent à vous, au premier degré, le papa, le frère, le cousin paternel qui a eu un cancer, et ceci avant l'âge de 50 ans, partir de l'âge entre 5, 50 et 60 ans. Donc le risque est multiplié par deux. Ce risque, il est multiplié par 5, c'est-à-dire il augmente si vous avez toujours un apparenté au premier degré qui a eu son cancer avant l'âge de 45 ans. Donc, vous avez 5 fois plus de risque de développer un cancer colorectal. Ou lorsque vous avez eu, par contre, deux apparentés qui ont eu déjà un cancer du côlon ou du rectum, mais qui ont un âge à partir de 60 ans. S'il y a eu deux apparentés, quel que soit l'âge de plus de 60 ans, probablement, quel que soit l'âge, et qui ont eu deux parents dans la famille, d'un cancer colorectal, vous avez 5 fois plus de risque de développer un cancer colorectal. Et ce risque est multiplié par 10 s'il y a eu une maladie inflammatoire éventuellement sous-jacente. Bien entendu, je vous ai dit tout à l'heure qu'une maladie inflammatoire, si elle est mal suivie, c'est éventuellement plus de 15 à 20 ans d'évolution, on peut avoir éventuellement une dégénérescence de cette maladie et être à l'origine d'un cancer colorectal. Enfin, le dernier groupe à risque, c'est le risque moyen, c'est-à-dire la personne lambda, quel que soit l'individu, qui appartient ni au premier groupe, ni au deuxième groupe, et qui a plus de 50 ans, est possible de développer éventuellement un cancer colorectal, et probablement la population générale qui a, nous se situons, probablement si on n'a pas d'antécédent familial, nous nous situons au niveau donc, de ce groupe à risque moyen. Nous rentrons un petit peu dans le vif du sujet sur le cancer du rectum après ces brefs rappels et je peux vous assurer que ce cours ne va pas être très long et j'attendrai justement de vous de poser plein de questions pour lesquelles éventuellement j'aurai le plaisir de répondre. Alors, il faut savoir que le rectum, il y a trois portions dans le rectum. Vous avez le bas rectum, le moyen rectum et le haut rectum. Tout ce qui est au-delà du haut rectum, c'est ce qu'on appelle les charnières rectosigmoïdiennes, c'est-à-dire charnières entre le côlon pelvien sigmoïde et le haut rectum. Le bas rectum, il y a deux définitions. Il y a une définition endoscopique, donc gastro-entérologue, c'est lui qui va faire éventuellement la coloscopie pour pouvoir vous situer donc, le cancer. Vous avez les cancers du bas rectum, ce sont l'ensemble des cancers qui sont situés entre 0 et 5 cm de la marge anale. Les cancers du moyen rectum, ce sont l'ensemble des cancers qui sont situés entre 5 et 10 cm. Et vous avez les cancers du haut rectum qui sont situés entre 10 et 15 cm de la marge anale. Il y a une deuxième définition, c'est une définition radiologique, c'est-à-dire c'est le radiologue qui va vous la donner. Et c'est cette définition qui est beaucoup plus, j'allais dire, intéressante pour le chirurgien. Pourquoi ? Parce qu'elle va définir le cancer par rapport au sphincter interne, au bord supérieur du sphincter interne, et qui est importante pour les chirurgiens pour savoir est-ce qu'on va faire une intervention qui va conserver le sphincter, ou au contraire, on va faire une intervention qui va sacrifier le sphincter. C'est ce qu'on appelle l'amputation abdominopérinéale. Donc, c'est cette deuxième définition pour nous, chirurgiens, qui est plus importante lorsqu'on a à évaluer éventuellement un cancer du rectum. D'accord ? C'est surtout les lésions par rapport au bord supérieur interne. Et malheureusement, souvent dans les comptes rendus, sur les comptes rendus radiologiques, nous n'avons pas cette notion. Nous n'avons une notion uniquement par rapport à la marge anale, chose qu'elle est donnée de toute façon par le médecin gastro-entérologue. Nous, en attendant du radiologue de nous donner ça. C'est la situation, la topographie de la lésion par rapport
au bord supérieur éventuellement du sphincter interne. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à chaque fois au radiologue de nous décrire la lésion par rapport au bord supérieur du sphincter interne. Donc, retenez que vous avez deux définitions, une définition par contre, une définition endoscopiste et une définition radiologique. Un bref rappel sur la vascularisation artérielle, parce que si vous ne connaissez pas ça, vous allez avoir du mal à comprendre le traitement chirurgical. Il faut savoir que la vascularisation artérielle, le rectum, il est vascularisé par trois artères principales. Vous avez l'artère rectale supérieure, qui, elle, est la terminaison de l'artère mésentérique inférieure. Vous avez l'artère rectale moyenne, qui, elle, est une branche de l'artère hémorroïdale interne ou hypogastrique. Et vous avez une artère rectale inférieure qui est, elle, issue de l'artère pudendale. Il faut savoir que deux artères sont principales. Il y a l'artère rectale supérieure et l'artère rectale inférieure qui sont constamment retrouvées. Par contre, l'artère rectale inférieure est une artère qui est accessoire. C'est-à-dire que parfois on la trouve, parfois on ne la trouve pas. Cependant, pourquoi le rectum reste bien vascularisé? Parce qu'il y a un large réseau anastomotique qui se trouve en sous-muqueux, et qui fait le pont entre l'ensemble des ramifications, que ce soit de l'artère rectale supérieure ou l'artère rectale inférieure ou l'artère rectale moyenne. Donc, il y a un richement vascularisé, un réseau sous-muqueux qui est richement vascularisé, qui permet justement une bonne vascularisation du rectum. Pour ce qui est de la vascularisation veineuse, ça fait finalement, elle est calquée sur la vascularisation artérielle. Autrement dit, au lieu qu'on a une veine rectale inférieure, on a une veine rectale moyenne et une veine rectale supérieure. Il faut savoir que les deux premières, la veine rectale inférieure et la veine rectale moyenne, se drainent au niveau de la veine iliaque. Autrement dit, ça va dans la grande circulation, dans la veine cave inférieure. Tandis que la veine rectale supérieure va partir vers la veine mésentérique inférieure et vers la veine porte, le système porte. Autrement dit, lorsqu'on a un cancer, par exemple, qui est développé au niveau du haut rectum, on a beaucoup plus tendance à avoir des métastases hépatiques, parce que c'est drainé par le tromporte, tandis que pour les cancers du bas et du moyen rectum, dès lors qu'ils sont drainés vers la veine cave, nous aurons plutôt des métastases pulmonaires, de pair cette explication, ce drainage éventuellement veineux. Cependant, comme la vascularisation artérielle, il y a un réseau anastomotique qui est en sous-muqueux. Autrement dit, si vous avez par exemple un cancer du bas du moyen rectum, vous pouvez également avoir des métastases hépatiques pour un cancer du bas et du moyen rectum, mais de façon moins fréquente pour cette explication anatomique, purement anatomique. Ce qui est intéressant également, vous devriez connaître, c'est surtout aussi le drainage lymphatique, parce que le rectum, il est richement vascularisé par les lymphatiques. Donc, lorsque vous avez une tumeur au niveau du rectum, il y a plusieurs réseaux lymphatiques qui vont être atteints. Vous avez les premiers relais, c'est les ganglions périrectaux, qui sont dans le mésorectum, dans la graisse qui entoure le rectum. Le deuxième relais, c'est le relais qui sont le long des vaisseaux principaux, la veine rectale moyenne, l'inférieure et la supérieure. Et vous avez les vaisseaux lymphatiques qui sont à l'origine des gros troncs artériels, c'est-à-dire l'aorte éventuellement abdominale. Et à ce moment-là, s'ils sont présents, ils sont infiltrés, c'est considéré comme carrément des métastases au même titre que les métastases hépatiques ou les métastases pulmonaires. Vous devriez savoir ça. Pourquoi? Parce que lors de la classification, vous allez voir par la suite, CTNM, c'est-à-dire radiologique, lorsque le radiologue décrit, par exemple, une grosse adénopathie au niveau interarticocave, il faut dans la classification, il faut la mettre M1 et non pas N1. Donc M1 parce que c'est considéré comme une adénopathie non régionale, c'est-à-dire qui n'est pas drainée au niveau du rectum, mais elles sont drainées à distance du rectum, et ce qui fait qu'elle est considérée comme une adénopathie métastatique, comme une métastase, et donc ça change complètement le pronostic de ce cancer. Dernier point pour ce qui est du rappel anatomique, vous avez l'innervation également. Vous allez voir qu'il y a deux principaux nerfs. Vous avez le nerf hypogastrique qui est sympathique, et vous avez le nerf, les nerfs latéraux qui sont des nerfs qui sont parasympathiques. Alors, il y a deux nerfs plus importants en haut, c'est le nerf hypogastrique supérieur, droit et gauche, et vous avez le plexus nerveux latéral qui, lui, il est issu de la réunion des différentes rameaux nerveux qui sont issus de S2, S3 et S4, autrement dit les trois dernières pièces sacrées,
où il y a émergence donc des rameaux nerveux qui vont se réunir avec les nerfs hypogastriques pour fermer, pour former ce qu'on appelle les nerfs pelviens latéraux qui peuvent être lésés au moment de la chirurgie. Si bien que je vous ai mis cette plaque parce qu'elle résume un petit peu les rapports donc, du rectum. Vous avez le rectum qui est ici au milieu et vous voyez qu'il contracte des rapports très étroits avec les axes vasculaires et mais aussi avec les axes nerveux et les éléments de voisinage. Vous voyez ici les vésicules séminales avec la vessie et la prostate qui est juste derrière. Donc, vous voyez que c'est un organe qui est profondément enfoui dans l'excavation pelvienne et ça rend sa chirurgie extrêmement difficile puisqu'elle expose à des lésions non seulement vasculaires, mais surtout à des lésions nerveuses qui peuvent éventuellement altérer la qualité éventuellement du patient. Sur le plan clinique, ce cancer du rectum, son diagnostic ou sa symptomatologie, elle est très facile. Elle est très facile parce que c'est un cancer qui se développe sur la partie distale donc du tube digestif, autrement dit, le maître symptôme le plus souvent qu'on retrouve, ce sont les rectorragies. D'accord ? C'est un saignement, c'est le plus fréquent, c'est le maître symptôme, et retrouvé dans 70% éventuellement des cas. Autrement dit, dans les 30% des cas, vous pouvez avoir d'autres signes qui peuvent faire alerter éventuellement le patient. Ce sont essentiellement les troubles du transit. Ça, c'est une sensation de faux besoin, beaucoup plus qu'une alternance de diarrhée et de constipation, comme c'est le cas dans les cancers du côlon. C'est beaucoup plus des faux besoins. Et éventuellement, des ténèbres, c'est-à-dire des tensions douloureuses avec des envies continues d'aller à la selle. Et l'association de ces signes représente ce qu'on appelle le syndrome rectal. Les écoulements anormaux, parfois vous avez des glaires blanches ou mucopurulentes qui accompagnent les matières fécales ou ils sont isolés. Ça peut être un signe d'alerte éventuellement de la présence d'un cancer au niveau du rectum. Vous pouvez avoir également un prurite anal qui est en rapport avec les suintements muqueux ou mucopurulents qui peuvent attirer l'attention. Vous avez également accessoirement les signes urinaires à type de cystalgie ou de dysurie, ce sortant essentiellement pour les cancers localement évolués du rectum qui peuvent éventuellement avoir un contact avec la vessie et irriter la séreuse vésicale. C'est pour ça que le patient a envie d'uriner plus souvent qu'un sujet normal. Et vous avez également d'autres signes qui ne sont pas communs uniquement au cancer du rectum, que vous allez retrouver dans toute la pathologie cancéreuse. C'est surtout une atteinte de l'état général, de l'amaigrissement, de l'anorexie, de l'asthénie, finalement, que vous allez retrouver dans l'ensemble des pathologies cancéreuses. Je vous ai dit que finalement, le cancer du rectum, son diagnostic, il est facile. Mais j'insiste sur le toucher rectal. Vous avez un patient qui se présente à votre consultation avec des rectorragies. Vous n'allez pas traiter le patient par un traitement médicamenteux, en prenant peut-être à tort pour une maladie hémorroïdaire. Il faut savoir prendre son temps, faire, rendre le patient, il va essayer d'avoir, vous allez avoir, essayer d'avoir la confiance du patient pour l'examiner. Ça, c'est le plus important. Donc, l'examen clinique le plus important dans la pathologie rectale, et notamment le cancer du rectum, c'est surtout le toucher rectal. Alors, le toucher rectal, il y a différentes façons de le faire. Il y a trois positions éventuellement. Vous avez la position génu-pectorale. Vous avez la position, ce que je préfère, c'est la position latérale. C'est comme celle qu'on fait pour faire une endotrophie digestive passe. Pourquoi elle me plaît? Elle me plaît pourquoi? Parce que le patient est décomplice latéral, il est en confiance. C'est-à-dire qu'il se retourne sur le côté contralatéral, il ne fait pas face au chirurgien éventuellement ou au médecin, donc il est plus en confiance, donc il est un peu plus relâché, du moins c'est ce que j'ai retrouvé dans ma expérience personnelle. Et vous avez la troisième position, c'est la position de la taille ou position gynécologique. Donc trois façons de faire le toucher rectal, donc peut-être une préférence pour le toucher rectal en décubitus latéral, mais sachez que les trois positions, le toucher rectal, dans ces trois positions, est éventuellement valide. Alors je vous ai dit que le cancer du rectum et de diagnostic très facile. Pourquoi? Parce que à la suite de cette symptomatologie de rectorragie, il suffit juste de faire une rectoscopie et vous arrivez à poser le diagnostic avec, bien entendu, une biopsie qui va poser avec certitude le diagnostic d'un adénocarcinome. Donc l'endoscopie, non seulement elle va voir la lésion, mais elle va permettre de réaliser des biopsies qui, eux, vont poser le diagnostic du cancer du rectum. Mais le cancer du rectum, sa difficulté, elle est où? Elle est dans le bilan préthérapeutique. Il faut savoir poser les bons examens complémentaires pour faire un bilan d'extension.
Alors, à quoi doit répondre le bilan d'extension d'imagerie? Qu'est-ce qu'il cherche le chirurgien? Il cherche certaines informations à travers le bilan préthérapeutique. Il cherche à savoir est-ce qu'un traitement néoadjuvant est nécessaire pour le patient. Et on ne peut pas proposer un traitement néoadjuvant à l'ensemble des patients qui ont un cancer du rectum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de radiothérapie pour l'ensemble des cancers du rectum. Vous allez voir un peu plus loin quels sont les stades pour lesquels on doit indiquer un traitement néoadjuvant. Il n'y a que l'examen complémentaire qui est l'IRM pelvien qui va vous dire à quel stade vous êtes et est-ce que vous allez faire un traitement néoadjuvant. Donc, c'est une réponse que doit apporter le radiologue pour pouvoir poser l'indication d'un traitement néoadjuvant. La deuxième question que va répondre le radiologue pour le chirurgien, est-ce qu'on va conserver le sphincter ou non? Je vous ai dit tout à l'heure dans la définition radiologique, il va nous donner la topographie de la tumeur par rapport au bord supérieur du sphincter interne. Et s'il ne nous donne pas cette topographie, il sera difficile de poser l'indication d'un traitement de conservation de la fonction sphincterienne. Et vous serez en face du patient qui est en face de vous, il va vous poser justement cette question. Docteur, alors est-ce que vous allez me rétablir la continuité ou au contraire, vous allez me mettre une colostomie définitive? Et là, si vous n'avez pas l'information au préalable faite par le radiologue, vous allez avoir des difficultés à répondre à cette question. Donc, j'attends du radiologue, est-ce qu'il me donne cette information qui est capitale pour la conservation sphinctérienne. Troisième réponse qu'il doit donner, c'est surtout s'il y a présence de localisation secondaire qui modifierait la stratégie thérapeutique. Autrement dit, lorsque je fais un examen à distance, un scanner à distance, on va me dire il y a des localisations secondaires. Eh bien, il y a des localisations secondaires, la stratégie, elle est probablement tout autre. Peut-être que ce n'est pas la priorité d'opérer les malades, mais peut-être de les mettre éventuellement sous chimiothérapie. J'ai 2 minutes, c'est juste, je suis en train de voir qu'il y a des mains qui se lèvent. Je préfère terminer éventuellement, si vous permettez, de terminer la présentation. Ensuite, je répondrai à l'ensemble de vos éventuellement de questions. Je prendrai le temps pour répondre à l'ensemble des questions chaque fois que cela est possible. Merci. Alors, premier examen impératif dans le cancer du rectum pour le bilan d'évaluation locale. Vous avez fait votre diagnostic de certitude avec une recto et une biopsie. Premier examen à faire, ce n'est pas le scanner, c'est l'IRM pelvienne. Vous devez faire une IRM pelvienne. Qu'est-ce qu'elle va vous renseigner, l'IRM pelvienne? Elle va vous donner le siège de la tumeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au muscle puborectal. Le puborectal, c'est ce qu'on appelle le sphincter interne, et par rapport à la marge anale. Mais ce qui importe le plus, c'est par rapport au muscle puborectal. La deuxième information que va donner l'IRM, c'est le degré d'infiltration pariétale. D'accord? Si on voit que la tumeur, est-ce qu'on a affaire à un T1, à un T2, à un T3 ou carrément à un envahissement des organes de voisinage, c'est-à-dire un T4. Donc, elle permet de donner le degré d'infiltration transpariétale. Elle va nous donner aussi la marge circonférentielle. La marge circonférentielle, c'est quoi? C'est la plus petite distance qui sépare la tumeur de ce qu'on graisse, cancer, par exemple du côlon, la cétonale, il n'y a plus de séreuse. Facial, votre connexion est un petit peu instable. Je vais peut-être rappeler, j'espère que ça continuera fonctionner normalement. Vous allez voir qu'elle est importante à préciser sur le compte du radiologue. Pourquoi? Pour la simple raison qu'elle aussi, fonction de cette marge, on va probablement préciser quel type de traitement néoadjuvant de radiothérapie on doit faire avant la chirurgie. Troisième élément qu'on va donner, c'est l'atteinte, bien entendu, ganglionnaire. On va aller chercher les ganglions, que ce soit dans les premiers relais ou dans les autres relais, et bien entendu, les rapports avec les organes de voisinage, notamment chez l'homme, sur cette coupe ici, les vésicules éventuellement séminales. Deuxième, éventuellement, examen complémentaire que vous allez faire, c'est l'échoendoscopie. On ne va pas la faire tout le temps, parce que d'abord, un n'est pas tout le temps disponible ici en Algérie. Il n'y a que très peu de services qui la font. Donc, on préfère faire une IRM. Mais sachez que son indication, elle est utile pour les petites tumeurs T1 et T2, c'est-à-dire les petites lésions, lorsqu'il y a un petit polype qui a probablement à dégénérer, il n'y a pas mieux que de faire une échoendoscopie pour voir les possibilités peut-être de faire une exérèse locale chirurgicale sans faire la grosse chirurgie, c'est-à-dire l'exérèse totale du mésorectum.
Au terme de cet examen de bilan d'extension locale, c'est-à-dire de la maladie localement, vous allez faire un bilan d'extension à distance. Et bien entendu, c'est le scanner, mais il faut le faire à 3 étages. Le scanner, ce qu'on appelle thoraco-abdominaux-pelvien. Il ne faut pas faire uniquement un scanner abdominaux-pelvien. Il faut faire thoraco-abdominaux-pelvien. Thorax, pour aller rechercher d'éventuelles localisations secondaires pulmonaires. Au niveau de l'abdomen, les hépatiques pour rechercher des métastases éventuellement hépatiques ou une éventuelle carcinose péritonéale ou bien des adénopathies non régionales, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont considérées carrément comme des métastases. Et pelvien, pourquoi pelvien? Parce qu'il faut bien entendu faire un petit peu le point sur éventuellement des adénopathies au niveau des chaînes iliaques externes qui ne peuvent être éventuellement explorées que par le scanner pelvien. Donc, à chaque fois que vous demandez un scanner dans le bilan d'extension à distance d'un cancer du rectum, demandez un scanner injecté aux 3 étages, thorax, abdomen et pelvis. J'ai mis ici ces slides en disant bilan d'extension toujours endoscopique, guillemets extension, donc une colonoscopie totale est impératif, surtout lorsque la tumeur n'est pas sténosante, donc on doit faire une colonoscopie totale, afin de rechercher une deuxième localisation tumorale qui pourra changer complètement la stratégie thérapeutique. On va rechercher également une polypose peut-être associée et éliminer, bien entendu, une maladie sous-jacente, notamment une maladie inflammatoire. Donc, dans le bilan d'extension, vous devez faire, donc, impérativement faire une colonoscopie totale. Bien entendu, je fais l'impasse sur les marqueurs tumoraux, sur la CE-CA19-9, qui, eux, ne sont pas des éléments pour le diagnostic, mais beaucoup plus pour un critère de surveillance post-opératoire. Alors, au terme de ces examens complémentaires, donc la rectoscopie, l'examen clinique d'abord, la rectoscopie, la biopsie, l'IRM pelvienne ou l'échoendoscopie, le scanner thoraco-abdominaux-pelvien, il a la colonoscopie totale, vous êtes tenu de stader éventuellement le patient. Est-ce que vous êtes en stade 1, en stade 2, en stade 3 ou en stade 4? Je m'explique. Le stade 1, ce sont l'ensemble des tumeurs qui sont classées T1, T2, sans atteinte ganglionnaire. T1, ça veut dire qu'il y a une atteinte de la muqueuse, de la sous-muqueuse et de la musculeuse. Les tumeurs sans atteinte ganglionnaire. Les tumeurs, les stades 2, ce sont les tumeurs T3 et T4. T3, c'est une atteinte de la sous-séreuse dans le côlon ou dans le rectum, c'est une atteinte du mésorectum, c'est-à-dire de la graisse périrectale qui remplace la séreuse. Les T4, c'est une atteinte d'un organe de voisinage, quelle que soit la cloison recto-vaginale chez la femme, soit le bloc prostato-vésical chez l'homme, soit éventuellement l'os en arrière. Le stade 3, quel que soit le degré d'atteinte ganglionnaire, c'est-à-dire atteinte transpariétale, soit des T1, soit des T2, soit des T3, T4, mais par contre, cette fois-ci, avec une atteinte ganglionnaire. Le stade 4, bien entendu, c'est très facile, c'est lorsque vous avez une atteinte à distance, que ce soit des métastases hépatiques, des métastases pulmonaires ou éventuellement des ganglions non régionaux. Pardon. Au terme de ce bilan d'extension et de cette classification, vous devez impérativement discuter, faire passer le dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire. D'abord, pour avoir une seconde, éventuellement, lecture radiologique pour être sûr qu'on est dans un de ces stades, pour poser la bonne indication éventuellement de quel traitement néoadjuvant éventuellement on doit faire avant toute chirurgie. Vous allez voir pourquoi, parce que quand vous avez un stade 1, eh bien, l'indication, c'est d'aller directement à un stade 1 d'un cancer du rectum, quelle que soit sa topographie, il faut aller d'emblée proposer le patient pour le chirurgien sans faire aucun traitement néoadjuvant. Lorsque vous avez un stade 2 ou un stade 3, vous êtes tenu par faire de la radiothérapie préopératoire ou de la radiochimio concomitante préopératoire. Vous êtes tenu de faire ça devant un stade 2 ou devant un stade 3. Et pour les stades 4, devant tout cancer qui n'est pas symptomatique, je dis bien qu'il n'est pas compliqué, il n'y a pas d'hémorragie qui retentit sur l'état général du patient, il n'y a pas d'occlusion, chez ces patients, probablement,
Il va, après avoir discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire pour pouvoir voir quelle est la meilleure stratégie thérapeutique, vous allez confier le patient à l'oncologue médical pour commencer une chimiothérapie. Donc, vous voyez que la classification et la discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire est importante parce qu'à chaque stade, il y a une conduite thérapeutique. Ce n'est pas comme le cancer du côlon qui, le plus souvent, est un cancer purement chirurgical. Le cancer du rectum, sa stratégie de prise en charge est complètement différente. Elle est fonction du stade de la maladie. Donc, stade 1, chirurgie d'emblée. Stade 2 et 3, radiothérapie préopératoire. Stade 4, en dehors d'un cancer compliqué, c'est chimiothérapie première. Donc, j'insiste sur ça. On passe au traitement. Le traitement, il y a trois armes thérapeutiques dans le cancer du rectum. Vous avez le traitement chirurgical, vous avez le traitement par la radiothérapie et vous avez le traitement par de la chimiothérapie. Ce ne sont pas des traitements qui sont concurrents. C'est des traitements qui sont complémentaires. On ne peut pas traiter un cancer du rectum uniquement par de la chimiothérapie ou bien uniquement par de la radiothérapie, pour certains stades, uniquement pour la chirurgie. Généralement, c'est des traitements qui sont associés pour une bonne prise en charge d'un cancer du rectum. Ce qu'il faut savoir, que la chirurgie et la radiothérapie, c'est des traitements locaux, c'est-à-dire ça agit uniquement sur la tumeur primitive, tandis que la chimiothérapie, c'est un traitement qui est systémique, c'est un traitement général, c'est un traitement qui est donné par voie intraveineuse le plus souvent. Donc, c'est un traitement systémique. Alors, on passe d'abord discuter un petit peu, parler de la radiothérapie préopératoire. C'est quoi le but de la radiothérapie préopératoire? C'est de réduire le risque de récidive locale. On institue une radiothérapie préopératoire dont l'objectif premier, c'est de diminuer les taux de récidive locale, parce que les études ont montré qu'entre les patients qu'on opère directement et les patients chez qui on précède chirurgie par une radiothérapie, on a remarqué que le taux de rechute de la maladie localement est diminué chez le groupe des patients chez qui on a commencé par une radiothérapie. Ça, c'est très important à connaître. Donc, la radiothérapie, un des objectifs, c'est de diminuer la récidive locale. Le deuxième objectif de la radiothérapie préopératoire, c'est de permettre une chirurgie R0. C'est quoi une chirurgie R0? C'est une chirurgie sans résidus microscopiques ou macroscopiques de la maladie. Et elle s'adresse, pourquoi on fait de la radiothérapie pour des tumeurs localement avancées? Pour pouvoir permettre justement ce type de chirurgie R0. La troisième but, objectif de la radiothérapie préopératoire, c'est d'augmenter les possibilités de préservation sphinctérienne. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une grosse tumeur au niveau du parectum, le fait de faire une radiothérapie préopératoire va diminuer du volume de la tumeur, autrement dit, ce qu'on appelle le downsizing, diminuer le volume de la tumeur, c'est-à-dire si elle était en contact du sphincter, le fait qu'elle diminue de volume, elle va désinfiltrer le sphincter, et ce qui pourrait revoir l'indication d'un traitement de la conservation sphinctérienne. C'est-à-dire, on est parti d'une intervention au départ d'amputation abdominale périnéale, mais grâce à cette radiothérapie, on a pu faire une conservation de la fonction sphinctérienne. Donc, c'est le troisième objectif à atteindre avec la radiothérapie préopératoire. Il faut savoir qu'il y a deux types de radiothérapie qu'on peut proposer. Là, vous avez la radiothérapie courte qu'on propose pendant 5 jours. C'est ce qu'elle a utilisé dans les pays de l'Europe du Nord. Et vous avez la radiochimiothérapie concomitante qui est largement utilisée dans les pays de l'Europe, le reste des pays de l'Europe et aussi aux États-Unis. Alors, je vous ai dit tout à l'heure dans la classification préthérapeutique, il était très important de connaître les stades de la maladie grâce au bilan d'extension loco-régionale. Eh bien, vous voyez que finalement, cette radiothérapie préopératoire est indiquée essentiellement pour les stades 2 et les stades 3 des cancers du bas et du moyen rectum et pour certaines tumeurs localement évoluées du haut rectum. Donc, c'est impératif de demander les bons examens préthérapeutiques, notamment l'IRM pelvienne, le scanner à ses 3 étages, une colonoscopie totale pour pouvoir poser le bon stade et éventuellement la bonne indication au traitement néoadjuvant.
La deuxième arme thérapeutique que je vous ai dit, elle n'est pas concurrente aux différentes armes thérapeutiques, mais elle est complémentaire. C'est la chimiothérapie. Elle peut être proposée dans trois indications possibles. Elle peut être proposée en adjuvant. C'est quoi en adjuvant? C'est-à-dire, c'est en post-opératoire. Lorsqu'on opère un cancer du rectum, en post-opératoire, on va avoir les résultats en appât et on va voir si éventuellement il y a une atteinte ganglionnaire. Si sur le compte-rendu du pathologiste, on vous dit qu'il y a une atteinte ganglionnaire, c'est un malade à confier à l'oncologue médical. La chimiothérapie, elle est également instituée en association avec la radiothérapie. C'est ce qu'on appelle la radiochimiothérapie concomitante. C'est une terminologie que vous devriez éventuellement connaître. Et lorsque vous lisez, par exemple, un compte-rendu, vous sachiez ce que c'est. En association à une radiothérapie préopératoire chez Malan, on associe une chimiothérapie, c'est ce qu'on appelle la radiochimiothérapie concomitante. Son but, c'est de potentialiser l'effet des rayons, c'est-à-dire d'augmenter encore l'efficacité de la radiothérapie. La troisième indication de la chimiothérapie, c'est en association toujours avec la radiothérapie, mais cette fois-ci après la chirurgie, en post-opératoire. C'est vrai qu'actuellement, on la fait de moins en moins, on fait beaucoup plus de la radiothérapie concomitante préopératoire. Quand est-ce qu'on l'a fait en post-opératoire? Ben, si malheureusement le patient on n'a pas pu l'irradier en préopératoire parce que les rendez-vous de radiothérapie étaient très éloignés, on a eu la hantise, éventuellement la peur que la maladie progresse et on a fini peut-être par opérer le patient, eh ben, il y a toujours de la place à faire de la radiochimiothérapie concomitante en post-opératoire. Et quand est-ce qu'elle est indiquée? Bien entendu, lorsque celle-ci n'a pas été instituée en préopératoire. Et en post-opératoire, bien entendu, si il y a une atteinte ganglionnaire ou contre ce qu'on appelle la marge latérale que je vous ai montré tout à l'heure sur l'IRM est inférieure à 1 mm, et ceci est indiqué sur votre compte-rendu anatomo-pathologique. Donc, le pathologiste va répondre soit qu'il y a une atteinte ganglionnaire, soit si une marge latérale est inférieure à 1 mm. Dans ces deux situations, si le patient n'a pas une radiothérapie en préopératoire, vous êtes tenu de la faire en post-opératoire. On rentre un petit peu dans le traitement chirurgical du cancer du rectum. Vous savez que l'arme absolue, ça reste la chirurgie. La chirurgie, quand vous voyez au bloc opératoire, c'est un patient qui doit être dans cette position. C'est ce qu'on appelle la position de double équipe. C'est-à-dire, le patient, il a un décubitus dorsal, il a les jambes semi-fléchies et écartées de façon à ce que le deuxième aile d'opératoire va s'incruster ici, entre les jambes du patient. Ça permet un petit peu d'aider le chirurgien. Il faut savoir que la chirurgie du cancer du rectum peut se faire soit par laparotomie, soit par celluloscopie, c'est-à-dire par laparoscopie. Les deux voies d'abord sont validées dans le cancer du rectum. Il faut savoir que le premier temps de la chirurgie, c'est d'aller explorer l'abdomen, rechercher par exemple palper le foie pour voir s'il y a peut-être une métastase qu'on n'a pas vue sur le scanner, ou on a mal vu le scanner, ou bien on a mal interprété éventuellement le scanner. Donc il faut absolument que le chirurgien fasse une exploration du foie, soit une exploration manuelle, soit par une exploration par une échographie, donc en péropératoire. Il va également rechercher les gouttières pariotocholiques pour voir s'il n'y a pas de nodules de carcinose. Et il va également palper le cadre colique pour voir s'il y a peut-être une deuxième localisation, donc synchrone, sur le côlon, en plus du cancer du rectum. Puis, le chirurgien va ligaturer, et c'est un impératif chirurgical, c'est de ligaturer une ligature vasculaire première des vaisseaux mésentériques inférieurs à l'origine pour permettre une lymphadénectomie donc complète. Vous voyez ici que le chirurgien a mis en lac la veine mésentérique inférieure. Ici, il a mis sur lac l'artère mésentérique inférieure. Ici, je vous ai mis donc un lac sur les nerfs hypogastriques et ici sur le vaisseau colique supérieur gauche. C'est comme ça un petit peu quand éventuellement vous rentrez au bloc opératoire, vous allez avoir cet espace. Donc un angle colique gauche, un colon descendant, un colon pelvien, c'est ce qu'on appelle le colon sigmoïde, et le rectum, il est plus bas. Donc les premiers temps, c'est de préparer le transplant colique pour une éventuelle donc anastomose. On est tenu, pour un geste canalicianologique, de ligaturer donc ces vaisseaux à leur origine. Le deuxième temps, c'est d'aller libérer le rectum en sous-péritonéal. Vous voyez que c'est un espace qui est avasculaire. Vous voyez ici, c'est les deux nerfs hypogastriques qu'on doit absolument préserver pour réduire un tant soit peu les séquelles génito-urinaires. Après, on va rétablir la continuité chaque fois que c'est
une intervention conservatrice de la fonction sphinctérienne, soit pour une anastomose donc colo entre le côlon et le rectum restant, par une anastomose qu'on appelle mécanique, une anastomose colo-rectale latérale sur le côlon, terminale sur le rectum, ou une anastomose colo-rectale terminale sur le côlon, terminale sur le rectum. Et on peut faire une anastomose colo-anale manuelle, c'est-à-dire portant directement l'anastomose, on fait descendre le côlon et on a l'anastomose sur le sphincter interne, qui est l'entité que je vous ai dit tout à l'heure, qui doit être décrite par le radiologue. À défaut de pouvoir conserver la fonction sphinctérienne, vous avez ce qu'on appelle l'intervention non conservatrice de la fonction sphinctérienne, c'est l'amputation abdominopérinéale, et elle est indiquée essentiellement pour les cancers du très bas rectum qui envahissent le sphincter externe. Lorsque vous avez une tumeur qui envahit le sphincter externe ou les muscles élévateurs ou les muscles releveurs de l'anus, on est tenu de réaliser une amputation abdominopérinéale pour être carcinologique. C'est une infiltration relativement mutilatrice. Donc, il y a un vide qui se constitue et on peut le combler par du tablier hypoploïque pour pouvoir par la suite fermer éventuellement la cicatrice de périnéotomie. Et bien entendu, le patient va avoir une colostomie iliaque gauche définitive. Un rôle, une fonction qu'on a tendance à oublier, c'est le rôle primordial que présente le pathologiste, c'est-à-dire celui qui lit, l'anatomopathologiste. Il est primordial parce qu'on ne va pas vous dire, le chirurgien ne va pas se vanter de dire « j'ai très bien opéré le patient ». Et finalement, et malheureusement, il a récidivé dans les 2-3 mois de sa maladie. Ce n'est pas au chirurgien de vous dire que j'ai bien opéré le patient. C'est au pathologiste, lui, qui va vous dire est-ce que vous avez bien opéré le patient ou pas. Parce que lui va rechercher des facteurs pronostiques qui sont importants pour expliquer une éventuelle récidive. Donc, c'est le pathologiste qui va vous dire. Donc, il va éventuellement, d'abord, dans un premier temps, inspecter la pièce opératoire que vous avez adressée. Il va prendre des photos. Dans un premier temps, il va voir, c'est lui qui est, comme je vous l'ai dit, mis ici, le témoin de la qualité de la chirurgie. Et qui dit qualité de chirurgie, dit étroitement lié au risque de récidive locale. Donc, il va apprécier dans un premier temps la qualité du mésorectant que vous avez adressé éventuellement au pathologiste. Vous voyez ici qu'il y a 3 grades de mésorectant. Le premier grade, le grade A, c'est un mésorectome qui est complet. Autrement dit, on ne voit pas de tumeur. La tumeur, elle est confinée dans la paroi rectale. C'est un mésorectome qui est lisse. C'est ce qu'on appelle un mésorectome complet. Vous voyez ici que c'est un petit peu irrégulier. C'est ce qu'on appelle un mésorectome presque complet. Et vous voyez ici qu'il y a un manque. Il manque un peu de mésorectome. Il manque un peu de mésorectome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chirurgien qui a opéré le patient probablement a laissé un peu de mésorectome chez le patient. Et qui peut être, lui, le point de départ, s'il est pourvoyeur de cellules tumorales, le point de départ de la récidive. C'est comme ça qu'on explique un petit peu les récidives. Donc, c'est au pathologiste de vous dire est-ce que vous avez bien opéré le patient ou pas. Et le taux de récidive locale, il est fonction de ce grade de mésorectant. Ici, par exemple, le taux de récidive, il est de 20%. Ici, le taux de récidive, il est de 10%. Et ici, le taux de récidive, il est à moins de 5%. Vous voyez donc, lorsque vous opérez bien le patient et vous envoyez un spécimen bien régulier au pathologiste, c'est lui qui va vous dire est-ce que vous avez bien opéré le patient et vous allez porter un pronostic chez votre patient. Il va vous dire aussi quelle est la distance entre le bord inférieur de la tumeur et la limite dans laquelle vous avez donc coupé. Et à l'issue de ça, vous allez avoir une classification. Et probablement, on vous l'a dit tout à l'heure, dans les classifications des cancers du côlon, c'est une classification de toute façon commune au cancer du côlon et au cancer du rectum. C'est la dernière, c'est la classification 8e édition 2017 qui a été publiée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les tumeurs précoces T1, T2, ce sont les tumeurs qui envahissent la sous-muqueuse et la musculeuse. Et les tumeurs les plus évoluées, c'est les tumeurs T3 et T4 qui envahissent la sous-séreuse pour le rectum. Pour le rectum, c'est le mésorectum, c'est la graisse. Et pour le tumeur T4, c'est les tumeurs qui envahissent les organes de voisinage. Pour le statut N, bien entendu, N1, c'est 1, 3 ganglions lymphatiques régionaux, mais ils sont séparés, sous-stadés. Donc, je vous demanderai un petit peu d'aller lire un petit peu cette classification pour la retenir. L'absence ou la présence de métastases, M0 ou M1A ou MMB ou MMC. M1A, c'est lorsque vous avez des métastases à distance dans un organe, que ce soit le foie ou le poumon ou un ganglion
comme c'est précisé ici, non régional, et je vous ai expliqué c'est quoi non régional tout à l'heure, ce n'est pas les cancers et les ganglions qui sont dans le mésorectum, ce n'est pas les ganglions qui sont dans le premier relais, le long de l'artère mésentérique, plutôt l'artère rectale supérieure, moyenne ou inférieure, mais surtout les ganglions qui sont au niveau des artères iliaques primitives ou au niveau lombo-aortique, c'est-à-dire en contact de l'aorte abdominale. Lorsque vous avez des adénopathies à ce niveau-là, ils sont considérés comme des métastases, ils sont classés ici. C'est M1A. Ils ne sont pas classés avec l'atteinte ganglionnaire. Ils sont classés avec l'atteinte à distance, métastase à distance. Regardez ici, métastase à distance, ganglions non régionaux. Même s'il n'y a pas de métastase hépatique et même s'il n'y a pas de métastase pulmonaire, le fait que vous ayez un ganglion au niveau latéro-aortique, au niveau des chaînes iliaques primitives, vous classez votre lésion M1A. Lorsque vous avez plus de deux sites métastatiques, vous avez une métastase atténuante, plus d'un site métastatique, c'est M1B. Et lorsque vous avez une carcinose péritonéale, c'est M1C. Alors, vous allez avoir à l'issue de ce cancer, ça c'est un petit peu, c'est commun également au cancer du côlon, hein, il faut le retenir. Quand on vous dit, par exemple, sur un questionnaire d'examen, quels sont les facteurs pronostiques majeurs dans le cancer colon, eh bien, c'est tout ça éventuellement, c'est tout ça. Vous avez le degré d'envahissement transpariétal, c'est-à-dire vous avez affaire à un T1, T2, T3 ou T4, et plus vous avez la tumeur est évoluée, c'est-à-dire vers le T4, plus le pronostic n'est pas bon. Envahissement des organes de voisinage, donc c'est le T4. L'envahissement ganglionnaire, s'il existe, s'il est absent ou présent. S'il est présent, bien entendu, c'est un facteur de mauvais pronostic. La qualité d'exérèse chirurgicale, je vous l'ai montré tout à l'heure, la qualité du mésorectum, complet, presque complet ou incomplet, doit ressortir sur le compte-rendu anatomopathologique. C'est à ce prix que vous allez apporter un pronostic éventuellement chez votre patient et expliquer une éventuelle récidive. La masse circonférentielle de résection doit être reportée sur le compte-rendu anatomopathologique. Présence ou l'absence d'engainement ou d'embole vasculaire ou d'engainement périnerveux. La réponse au traitement néoadjuvant actuellement dans ces dernières années est considérée comme un facteur pronostique. Autrement dit, par exemple, un cancer du rectum qui a bien répondu à la radiothérapie va avoir un bon pronostic, tandis qu'un cancer du rectum qui a très mal répondu à la radiothérapie, il va avoir un mauvais pronostic. Autrement dit, par exemple, si vous aviez une tumeur classée T3, ça veut dire qu'il y a eu une réponse au traitement néoadjuvant et éventuellement un down staging. Autrement dit, c'est un bon pronostic. Si au contraire, vous avez une tumeur initialement T3, elle est restée T3 ou bien le pathologiste vous dit qu'elle est T4, ça veut dire qu'il y a une pas de réponse, voire même une progression de la maladie, et c'est-à-dire que c'est un mauvais pronostic. Donc, la réponse au traitement néoadjuvant actuellement est un facteur pronostique, et bien entendu recherché par donc la biologie moléculaire, les phénotypes endocriniens, le statut MSI, qui constituent à part entière un facteur pronostique. Un mot sur le traitement local, parce qu'on n'a pas tout le temps des tumeurs localement évoluées, parfois, ce sont des tumeurs qui sont de bon pronostic, autrement dit des petites tumeurs. C'est les tumeurs qui nous ont adressées le plus souvent par nos collègues gastro-entérologues et qui sont diagnostiquées précocement. Il faut savoir que lorsque vous avez un polype dégénéré, il faut faire une échoendoscopie qui, elle seule, va nous poser l'indication éventuellement d'une exérèse locale. Pourquoi ? Parce que l'échoendoscopie va vous rechercher le degré d'infiltration au niveau de la muqueuse, si elle a rompu la muscularis mucosée et si elle a atteint la sous-muqueuse. Et il faut savoir qu'on ne propose un traitement local que si la tumeur elle est classée à l'échoendoscopie, USTIS, autrement dit c'est une tumeur qui ne dépasse pas la muscularis mucosée, ou bien c'est une tumeur qui a franchi la muscularis mucosée et qu'elle se situe au niveau de la première couche sous-muqueuse. SM1, c'est la première couche. Pourquoi on propose un traitement local? Parce que pour ces tumeurs, lorsqu'elles ne dépassent pas la première couche de la sous-muqueuse, le risque d'atteinte ganglionnaire est nul. Autrement dit, il n'y a pas utilité à aller faire la grosse chirurgie avec une exérèse du mésorectum et avec une lymphadénectomie, puisqu'il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire. Par contre, si vous avez une tumeur qui est classée en échoendoscopie SM2 ou SM3, il faut savoir que le risque d'atteinte ganglionnaire
il grimpe jusqu'à 25%. Autrement dit, on ne propose plus un traitement local pour une tumeur qui est classée en échoendoscopie SM2 ou SM3 parce que le risque d'atteinte ganglionnaire, il arrive jusqu'à 25% et à ce moment-là, il faut proposer le patient au chirurgien pour pouvoir faire une chirurgie d'exérèse carcinologique. Elle s'adresse également, ce traitement local, pour des tumeurs qui ne dépassent pas 3 cm, parce qu'il est très difficile de faire des exérèses locales pour des tumeurs qui dépassent 3 cm, et qu'elles doivent être absolument situées soit sur les faces latérales ou postérieures, et pas sur les faces antérieures. Pourquoi ? Parce que sur la face antérieure, il n'y a plus de plan de séparation avec la cloison recto-vaginale ou avec le plan prostato-vésical ou l'urètre chez l'homme, et vous risquez de léser ces structures. Donc, le traitement local ne se conçoit pas généralement sur les faces latérales, il ne se conçoit pas en face antérieure, elle se conçoit uniquement sur les faces latérales et postérieures. Il faut que ça soit bien différencié, autrement dit, on exclut les tumeurs peu différenciées de l'exérèse locale parce qu'on a un fâcheux pronostic et elles sont agressives. Il faut proposer une exérèse monobloc, comme ça, monobloc, c'est-à-dire il ne faut pas que ça soit fragmenté, parce que si elle est fragmentée, ça veut dire que peut-être vous avez laissé des cellules tumorales et donc vous exposez votre patient à une récidive précoce. Il faut que la pièce soit épinglée sur une plaque de liège, ici, pour faciliter le travail au pathologiste, pour vous délimiter un petit peu, vous analyser les limites, est-ce que vous êtes en situation carcinologique ou pas. Et bien entendu, il faut que le pathologiste vous précise par la suite le degré d'envahissement. Donc, vers la profondeur, ce qui nous intéresse, parce que si, par exemple, sur le compte rendu anatomopathologique, on vous dit que la tumeur est arrivée à la couche sous-muqueuse, ou la deuxième ou la troisième couche sous-muqueuse avec un risque d'atteinte ganglionnaire de 25%, probablement, ce patient, il vous le confie au chirurgien pour pouvoir ce qu'on appelle faire un geste de rattrapage, c'est-à-dire une grosse chirurgie qui va emporter les guérilles du mésorectum. C'est-à-dire, si l'anatomopathologie vous dit que dans la réponse sur son compte rendu que vous êtes devant. Mais vous dites, vous êtes en T1 SM2 ou en T1 SM3, à ce moment-là, confiez le patient au chirurgien. Deux mots sur la surveillance. Il faut qu'actuellement, le mode de surveillance a changé, puisqu'il y a un nouveau planning. Maintenant, on peut examiner durant les deux premières années le patient surveillé, les deux premières années, le patient tous les 4 mois pendant 2 ans et tous les 6 mois pendant les 3 ans suivants. Tu montes en l'ACE et pendant la même période. Et vous alternez entre une échographie et un scanner chaque 6 mois pendant les 3 ans, puis de façon annuelle à partir de la 5e année. Et sans oublier de faire une colonoscopie totale chez le patient. S'il ne l'a pas fait en pré-thérapeutique pour diverses raisons, parce que c'était une tumeur sténosante ou parce qu'il n'avait pas les moyens de faire une colonoscopie totale en pré-thérapeutique, vous aviez peur éventuellement de rater le coche éventuellement chez votre patient, il faut confier dans le semestre qui suit la chirurgie, confier éventuellement le patient pour faire une colonoscopie. Sinon, s'il l'a fait en pré-thérapeutique, il n'y avait rien du tout, vous la faites à 3 ans. La prévention. Bien entendu, vous avez vu les facteurs favorisant dès le début du topo. Régime alimentaire pauvre en viande et surtout riche en fibres. Ça pourrait éventuellement donc diminuer les risques de facteurs de risque. La résection endoscopique de l'ensemble des polypes. Si vous avez un polype, si vous avez l'endoscopiste à diagnostiquer un polype, il faut le réséquer afin de l'analyser histologiquement. Proposer une chirurgie prophylactique. Pour les maladies génétiques, on a vu que le cancer génétique, le plus souvent, c'est cette frange, c'est la polyposa adénomateuse familiale et le syndrome de Lynch. Donc, il faut proposer une chirurgie prophylactique chez ces patients avant l'apparition du cancer. Et bien entendu, bien surveiller les maladies inflammatoires parce que ça pourrait faire le lit du cancer. En dernier lieu, c'est le dépistage. Et on vous l'a dit tout à l'heure, en début de topo, recherche de sang dans les selles. L'hémoculte n'est plus d'actualité, c'est surtout, je l'ai mis en rouge ici, c'est le test immunologique. Et il l'a très bien expliqué tout à l'heure, il vous l'a expliqué tout à l'heure, le docteur Layada. Un test immunologique, c'est lui éventuellement qui va vous dire est-ce que vous allez proposer votre patient pour le gastroentérologue pour faire une colonoscopie, éventuellement, ou pas.
D'accord, ça c'est dans le cadre d'un dépistage éventuellement, j'allais dire, de masse, c'est-à-dire une population générale. Et pour les populations à risque, c'est qui les populations à risque? C'est les maladies, j'allais dire, les maladies génétiques, la polypose et le syndrome de Lynch, mais surtout les maladies éventuellement, les pathologies inflammatoires. C'est eux éventuellement, c'est ce qu'on appelle les populations à risque, ou bien les patients qui ont eu, comme vous le voyez tout à l'heure, des parents qui ont eu un cancer colorectal, et c'est des patients à risque, et donc probablement leur proposer donc des colonoscopies éventuellement de contrôle. Je terminerai mon topo en vous disant que j'ai un petit peu englobé les cancers du côlon et du rectum. Ça reste une pathologie qui est fréquente. Vous allez voir de plus en plus de cancers colorectaux à l'avenir. Donc, il faut savoir se parer à ça, éventuellement mettre les moyens pour les prendre en charge. Le diagnostic est fait le plus souvent, malheureusement, justement, d'où l'intérêt de la prévention à un stade tardif. Et donc, qui dit stade tardif dit coût aussi. En coût de santé, il faut savoir qu'un cancer colorectal, par exemple, métastatique, la prise en charge est très onéreuse. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être dépister plus tôt, pour traiter plus tôt, pour réduire, non seulement bien entendu améliorer le pronostic, mais surtout diminuer le coût de prise en charge. Progrès thérapeutique adjuvante et non adjuvante, on l'a vu par rapport à la radiothérapie et la radiochimiothérapie. Le pronostic est en est amélioration. Pourquoi? Parce qu'on a bien développé, on a commence à dépister plus tôt, on commence à avoir des stades un peu plus précoces, on commence à entourer la chirurgie par des thérapeutiques néoadjuvantes, notamment la radiothérapie. Donc, on a plus ou moins amélioré éventuellement le pronostic. Mais le dernier mot revient toujours au dépistage et à la prévention. Et j'insiste sur ça. C'est à ce prix qu'on pourra éventuellement arriver à avoir des stades qui sont utiles pour pouvoir éventuellement avoir des stades utiles, améliorer éventuellement ce pronostic. Voilà, je tiens à vous remercier d'avoir été éventuellement présent. Et j'ouvre un petit peu la discussion. Je vais essayer d'appeler le docteur Layada pour pouvoir vous donner éventuellement la main pour pouvoir répondre à ces questions. Je reviens dans une minute, le temps d'appeler le docteur Layada pour mettre à ma disposition les questions justement pour pouvoir vous répondre. Alors, je vais ouvrir un petit peu les questions, il y en a beaucoup. Merci pour cette interactivité. Alors, la première, on me dit que la stratégie thérapeutique est décidée avant ou après les résultats d'examen à l'impact. Ah non, il y a deux choses. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par examen à l'impact? Par la biopsie. Si c'est la biopsie, c'est bon. Si. 2 minutes, est-ce que je pourrais prendre son entrée? Bien sûr, réponds. Ah ben, d'accord. Alors, la stratégie thérapeutique est décidée avant ou après les résultats examen à l'impact. Ce qui est sûr, c'est que pour traiter un patient porteur d'un cancer, qu'il soit colorectal, hein, d'accord? Ouais. D'accord. Ok, vas-y. Ok. Alors, si éventuellement, voilà, stratégie thérapeutique décidée avant ou après radiothérapie. Ce qui est sûr, c'est que pour traiter un cancer, qu'il soit colorectal, vous devez impérativement avoir la preuve histologique. C'est sûr. On ne va pas confier, par exemple, le patient pour une chimiothérapie ou une radiothérapie ou pour la chirurgie si on vous parle d'une dysplasie, surtout pour les traitements néoadjuvants.
On ne peut pas proposer un cancer du rectum au radiothérapeute pour l'irradier si vous n'avez pas la preuve histologique. Donc, discussion en RCP du dossier, et bien entendu, il faut avoir la preuve histologique avant de discuter toute stratégie thérapeutique. Je suis dans des questions. Non, pas encore. Hein. C'est la première question que j'ai. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je commence par en haut. Là. C'est quoi ? Parce que Kane, c'est une chouffe. Voilà. Est-ce que les méta contre-indiquent la chirurgie ? Ah, pas du tout. Elle est où la question ? D'accord. Je pensais que je répondais d'en haut. Justement, en haut, parce que Kane. Je répondrai. Je répondrai à toutes les questions, pas de souci. L'exérèse est incomplète. Que fera le chirurgien dans ce cas ? Attends, il y a une question et je commence à... Je commence ici, d'accord. C'est quoi la radiothérapie hyperfractionnée ? Je vais répondre à ça. Pourquoi ne pas faire une radiothérapie ? D'accord. La marche circonférentielle, que veut dire RCP ? Alors, que veut dire RCP ? R pour réunion, C pour concertation, P pour pluridisciplinaire. Alors, RCP, réunion, concertation pluridisciplinaire. Vous savez qu'actuellement, on ne peut pas traiter un cancer dans son petit coin, tout seul. Un cancer, il faut qu'il y ait plusieurs intervenants, plusieurs acteurs. En cancérologie, il faut que vous ayez d'abord celui qui fait le diagnostic, autrement dit le gastroentérologue. Vous devez avoir à votre table ici, au cours de la même réunion, d'un pathologiste, d'un radiologue, d'un chirurgien et parfois même d'un chirurgien de l'organe, c'est-à-dire par exemple si vous faites un cancer colorectal, ça doit être des chirurgiens colorectaux qui doivent assister à cet RCP. Parfois, lorsqu'on fait des métastases hépatiques, c'est des chirurgiens hépatobiliaires, c'est-à-dire maintenant on va dans l'expertise. On ne va plus dans le traiter de façon seule, éventuellement le cancer colorectal. Donc RCP veut dire réunion concertation pluridisciplinaire pour poser la meilleure stratégie de prise en charge d'un cancer, quel qu'il soit, rectum ou côlon ou estomac ou pancréas, il faut une discussion plus. C'est comme ça que vous allez augmenter les chances, éventuellement, d'une bonne prise en charge du malade. Autre question, on me dit, s'il vous plaît, docteur, vous pouvez réexpliquer la marche circonférentielle. Très importante dans le cancer du rectum. Alors, la marche circonférentielle du rectum, notez bien, c'est la plus petite distance qui sépare la tumeur du fascia recti. Et je vous ai dit ce que c'est le fascia recti, c'est le fascia périrectal qui remplace la séreuse comme si c'était un cancer du côlon. Dans le côlon, il y a la séreuse péritonéale, dans le rectum, il y a le fascia recti. Parce qu'on est en sous-péritonéal, il n'y a plus de séreuse. Ce qui remplace la séreuse, c'est le fascia recti. Et la marche circonférentielle de résection, c'est la plus petite distance qui sépare la tumeur de ce fascia recti. Et quel est l'intérêt d'avoir ça ? L'intérêt, il est pronostique. Il est double. Pronostique, parce que plus elle est petite, plus elle est près du fascia recti, plus le risque de rechute locale est important. La deuxième, c'est le type de traitement néoadjuvant qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit faire de la radiothérapie seule ou de la radiochimiothérapie ? La radiothérapie seule, c'est pour les marches supérieures à 1 mm. La radiochimiothérapie concomitante, c'est pour les marches inférieures à 1 mm. Donc, elle a un double intérêt. Alors, pourquoi ne pas faire une radiothérapie préopératoire lors du stade 1 aussi, puisqu'elle diminue le risque de récidive locale ? Non, je n'ai pas dit ça. Les stades 1, je vous ai dit, pour les stades 1, c'est-à-dire les tumeurs T1, T2, N0, c'est de confier le patient au chirurgien directement sans faire la radiothérapie préopératoire, parce que les écrits ont montré que les stades 1 ne tirent pas bénéfice de la radiothérapie. C'est-à-dire que c'est des malades dont les études ont été déjà inclus, ces stades 1. Mais quand on analyse en sous-groupe, on voit que les patients qui étaient en stade 1 ne tiraient pas bénéfice de la radiothérapie. Et donc, ils avaient un taux de rechute local qui était similaire aux malades qui n'ont pas fait de radiothérapie. Du coup, actuellement, dans les recommandations, les stades 1 sont confiés d'emblée aux chirurgiens sans passer par la radiothérapie préopératoire. Autre question, comment on traite le patient si résection du sphincter anal, comment agir sur l'incontinence ? Alors, il faut savoir, là, vous rentrez un petit peu dans les techniques opératoires, il faut savoir que lorsque c'est une tumeur qui est proche du sphincter interne, on peut réséquer une partie du sphincter interne pour avoir une marche distale carcinologique et conserver
la fonction sphinctérienne. Autrement dit, on va faire ce qu'on appelle une résection intersphinctérienne. C'est vrai qu'elle est bonne sur le plan oncologique, mais quand même sur le plan fonctionnel, elle n'est pas aussi bonne que ça. Donc, vous exposez vos patients éventuellement à une petite incontinence qui peut être rattrapée. Actuellement, il y a des procédés pour améliorer la fonction sphinctérienne. Il faut dire qu'il y a la stimulation éventuellement de l'appareil sphinctérien, ça se fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut proposer ce genre d'intervention qu'au préalable, après avoir évalué la fonction sphinctérienne en préopératoire. Vous ne pouvez pas envisager ce type d'intervention si vous n'avez pas d'idée sur la fonction sphinctérienne au préalable. Donc, oui, comment on traite le patient si résection du sphincter est là? Par ce qu'on appelle une résection intersphinctérienne, où je vous ai dit, il faut amputer le malade de tout son appareil sphinctérien s'il y a une atteinte de la fibre musculaire striée. Autrement dit, le sphincter externe lorsqu'il est atteint, ou les muscles élévateurs. Docteur, qu'est-ce que ça veut dire radiothérapie hyperfractionnée? Hyperfractionnée, ça veut dire qu'on donne de petites doses, tous les jours, de petites doses. Alors, ça se calcule en grès. Dans le schéma long, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie hyperfractionnée, c'est là ce qu'on appelle la radiothérapie longue. On donne des petites doses étalées dans le temps. Tandis que, par opposition à la radiothérapie hypofractionnée, on donne de grosses doses, mais limitées dans le temps, dans un temps raccourci. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a deux types de radiothérapie. La radiothérapie courte, c'est hypofractionnée 5 grès par séance pendant 5 jours, et hyperfractionné, ça veut dire qu'on donne de petites doses étalées dans le temps. C'est des petites doses de 1,8 gré par séance. Vous voyez que c'est des petites doses, mais pour avoir les 45 grés, on est obligé d'étaler un petit peu ça dans le temps. Alors, la chimiothérapie néoadjuvante et préopératoire, c'est la même. Néoadjuvante et préopératoire, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Préopératoire, néoadjuvante. On ne va pas rentrer un petit peu dans quelques d'inductions, de consolidation, mais disons en général, en gros, chimiothérapie néoadjuvante veut dire préopératoire, effectivement. Et si le pathologiste trouve que l'exérèse est incomplète, que fera le chirurgien dans ce cas? Il faut savoir que lorsqu'on opère un cancer du rectum, si on rate le premier geste, ça ne sera pas rattrapé par une radiothérapie post-opératoire. C'est-à-dire, le cancer du rectum actuellement et du domaine de l'expertise, c'est-à-dire n'opère pas n'importe qui un cancer du rectum. Il faut qu'il y ait une expertise, justement pour ne pas tomber dans des exérèses qui sont incomplètes. Par contre, le terme incomplet sur le plan anatomopathologique, ça peut être par exemple une marge inférieure, latérale, inférieure à 1 mm, ça veut dire que c'est une intervention R1. Elle n'est pas incomplète, elle n'est pas insuffisante, mais malheureusement, la tumeur arrive au fascia recti. Mais disons que là, on ne peut pas proposer de chirurgie de rattrapage si l'exérèse a été mal faite, malheureusement. En cas d'amputation abdominopelvienne, comment le patient va-t-il se débarrasser de ses besoins? En mettant une poche, une colostomie, on l'appareil au niveau, c'est vrai que je ne vous ai pas fait un schéma, vous aurez peut-être pu comprendre, c'est on met le côlon à la peau, c'est-à-dire au niveau de la fosse iliaque gauche. On abouche le côlon au niveau de la fosse iliaque gauche, et par l'intermédiaire de poches de contention, ce qu'on appelle des poches de stomie, les selles vont se déverser justement dans cette poche. Malheureusement, c'est une poche qui sera définitive. Il n'y a pas de moyen de rétablir la continuité. Voilà. Alors, envahissement transpariétal. Question. Envahissement transpariétal. C'est l'envahissement de la paroi rectale. Je vous ai dit, il y a quatre couches dans la paroi, que ce soit colico-rectale. Vous avez la muqueuse, ensuite la muscularis mucosae, la sous-muqueuse, la musculeuse. Dans le rectum, c'est le mésorectum, et dans le côlon, c'est la sous-séreuse. Donc, c'est ça, transpariétal. De dedans, en dehors, de la muqueuse vers l'extérieur, vers la sous-séreuse. C'est ça, envahissement transpariétal. Docteur, est-ce qu'un syndrome d'intestin irritable avec une constipation fréquente est un facteur de risque? Ça, c'est une question qui est destinée à mon ami. Là, il y a toi qui est à côté de moi. Non, l'intestin irritable avec diarrhée ou qu'on n'est pas un facteur de risque. Par contre, attention, il partage les mêmes symptômes, les symptômes de l'intestin irritable, douleur, ballonnement, trouble du transit, peuvent révéler un cancer. Les symptômes chevauchent. C'est pour ça, lorsque vous avez fait le cours sur le syndrome de l'intestin irritable, on vous a parlé des signes d'alarme qui vous font explorer le malade par échoscopie.
dès que vous avez le moindre risque, vous devez faire une coloscopie pour éliminer un cancer. On ne passe pas d'un symptôme, d'un syndrome d'intestin irritable à un cancer. Par contre, le risque majeur... Oh là là. Pardon. Le risque majeur quand on suit des malades au long cours, c'est qu'on a... Il faut toujours réanalyser les symptômes parce que quelqu'un qui fait un syndrome de l'intestin irritable, dans le suivi longitudinal, après des années, il a le droit de faire un cancer. Donc, il faut rester vigilant sur l'interprétation des symptômes. Voilà, c'est quoi ça? Alors, autre question. On cherche quel antigène lors de l'immunohistochimie? Alors, l'antigène, d'abord, on cherche dans, pas l'immunohistochimie, on cherche dans le sang. Dans le sang, l'antigène carcino-embryonnaire, qui n'a pas de valeur dans le diagnostic, il a de valeur que pour la surveillance post-opératoire. Parce que, par exemple, un patient qui a un cancer, quel qu'il soit, colique ou rectal, s'il a une élévation de l'antigène carcino-embryonnaire en préopératoire, logiquement, lorsqu'on opère le patient et on extirpe la tumeur, en post-opératoire, lorsqu'on refait le même antigène, il devrait avoir un seuil normal. Et devant toute réascension de l'ACE, probablement, ça va probablement nous dire est-ce qu'il y a probablement soit une récidive locale, soit une métastase à distance. C'est ça l'antigène éventuellement carcino-embryonnaire. Merci, docteur. S'il vous plaît, les différents types d'exérèse en fonction du degré d'infiltration locale et en fonction du haut, moyen ou bas rectum. Oui. En fait, le type d'exérèse en fonction du degré d'infiltration locale, vous avez deux types, je vous ai dit. Il y a les tumeurs qui, à l'échoendoscopie, envahissent la sous-muqueuse dans sa première couche et on peut proposer une exérèse locale, et je vous ai donné les indications en fonction du type histologique, de la topographie, du volume de la tumeur éventuellement. Pour toutes les autres tumeurs à partir de T1, SM2, voire SM3, T2, T3, T4, eux vont passer par ce qu'on appelle une exérèse totale du mésorectum, autrement dit la grosse éventuellement chirurgie. Ça, c'est fonction du degré d'infiltration pariétal. Et en fonction de la topographie haut, moyen ou bas rectum, pour le haut et le moyen rectum, généralement, la conservation du sphincterien est de mise. Il n'y a pas de souci de non-conservation de la fonction sphincterienne. Par contre, pour le bas rectum, on peut faire des exérèses conservatrices de la fonction sphincterienne, sous réserve, bien entendu, que le patient ayant répondu au traitement néoadjuvant. Mais malheureusement, si on est devant un cancer du rectum qui ont envahi la fibre musculaire striée ou les muscles élévateurs, on ne peut pas conserver, on est obligé de faire une amputation abdominopérinéale. Alors, autre chose, merci beaucoup, docteur, c'était très clair. Merci beaucoup, docteur, c'était très intéressant. Docteur, s'il vous plaît, le dépistage des sujets à haut risque, est-ce qu'il doit se faire dans tous les cas ou juste s'il y a des signes d'alerte? Je pense que c'est une question assez facile, c'est dans tous les cas. Mais je laisse le soin au docteur Layada de vous répondre aussi à ça. Sujet à risque élevé, coloscopie. Sujet à moyen risque, c'est on a le choix entre coloscopie ou bien test immunologique. Je vais en parler dans le cours polypolypose. Hein. Super. Pourquoi les métastases contre-indiquent la chirurgie contrairement au cancer du côlon? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que lorsque vous avez un cancer du rectum avec des métastases hépatiques, je vous ai dit que c'est des dossiers qui doivent être discutés pour avoir la meilleure stratégie de prise en charge. Ça veut dire quoi? Quand vous avez un cancer, par exemple, du rectum avec des métastases hépatiques qui sont multiples sur le foie, on peut juger des métastases, elles sont en trois classes, soit résécables, soit d'emblée résécables, soit ce qu'on appelle potentiellement résécables, c'est-à-dire il faut passer par des traitements avant de les rendre résécables, soit jamais résécables. On ne propose de chirurgie que lorsqu'on est devant un cancer du rectum avec des métastases qui sont jamais résécables, c'est des malades qu'on ne va pas opérer.
on va opérer que si, par exemple, il présente une complication de son cancer du rectum, par exemple une occlusion, et là, on l'opère juste pour faire une colostomie. Dans tous les autres cas, c'est des dossiers qui doivent être discutés et faire la meilleure stratégie possible. Parce que n'oubliez pas, le cancer du côlon, il est chirurgical lorsqu'il y a des métas. On est obligé de faire un traitement médicamenteux pour entourer la chirurgie. Le cancer du rectum, je vous ai dit, il y a trois armes thérapeutiques. Il n'y a pas uniquement la chimio et la chirurgie, il y a la radiothérapie. Donc, il faut savoir où mettre la radiothérapie. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne l'opère pas d'emblée. On en discute, on voit la meilleure stratégie thérapeutique. S'il vous plaît, peut-on utiliser l'homoculte comme un moyen de surveillance du cancer colorectal? Clairement, non. Le moyen de surveillance après traitement d'un cancer colorectal, hormis la surveillance clinique radiologique, c'est la surveillance endoscopique. S'il s'agit d'une tumeur sténosante, avant chirurgie, on fait un coloscanner. Et 6 mois après le geste chirurgical, on fait une coloscopie pour voir l'état du côlon restant. Et puis, il y a un protocole de surveillance. On fait à 3 ans. S'il n'y a rien, 5 ans. Puis tous les 5 ans, puisque les malades, c'est des malades à haut risque, à risque élevé de développer un cancer, puisque la majorité des cancers surviennent sur polype dégénéré. Donc, il y a un protocole de surveillance. Parfait. Autre question, est-ce qu'on peut avoir un cancer rectal seul, sans association avec un cancer colique? Ben oui, le plus souvent, c'est des cancers qui sont seuls. Le cancer seul, non, il est seul. Mais parfois, on peut avoir des cancers synchrones, c'est-à-dire qu'on a une double localisation, soit colique dans un segment digestif, par exemple, côlon droit, côlon transverse. On peut avoir également un cancer du rectum avec un cancer colique associé. C'est ce qu'on appelle les cancers synchrones. Et c'est pour ça que je vous ai dit, dans le bilan pré-thérapeutique, la colonoscopie totale, à la seule condition, bien entendu, que ce soit une tumeur qui n'est pas occlusive, doit être de mise avant toute stratégie thérapeutique dans un cancer du rectum, pour rechercher justement un cancer synchrone associé à un cancer du rectum. Mais le plus souvent, le cancer du rectum se présente seul. Dans la majorité des cas, il peut être associé à un cancer du côlon, effectivement. Ensuite, la deuxième partie de la question est la description du toucher rectal. S'il y a un cancer rectal, écoutez, quand vous faites un toucher rectal, toute anomalie au toucher rectal, vous trouvez, normalement, l'ampoule rectale est vide. Si vous faites un toucher rectal et vous trouvez quelque chose collé à la paroi rectale, c'est une anomalie. Ensuite, bien entendu, c'est l'exploration par le gastro-entérologue et l'endoscopiste qui va vous dire c'est quel type de néoformation il y a dans le rectum. Ça peut être un simple polype, ça peut être d'autres pathologies non tumorales, comme ça peut être éventuellement un cancer. Et lorsque éventuellement c'est un cancer, comment vous allez le reconnaître au toucher rectal? Généralement, c'est des lésions qui sont dures, qui sont irrégulières, qui sont ulcérées au milieu, qui sont parfois bourgeonnantes, végétantes. Ça peut prendre plusieurs aspects cliniques au toucher rectal. Il n'y a que l'endoscopie avec les biopsies qui vont vous poser avec certitude le diagnostic positif du cancer. Voilà. Excellente présentation. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Docteur Lareda, vous avez posté le cours sur l'exploration colorectale. Alors, il y a une autre question. On me dit, Quand est-ce qu'on fait une colostomie de protection? Oui, généralement, dans le cancer du rectum, du bas et du moyen rectum. Pourquoi? Pourquoi on fait dans tous les cas, on fait ce qu'on appelle une iléostomie de protection. Là, bon, avant, on faisait des colostomies de protection, mais on fait actuellement des iléostomies de protection. À coup sûr, pourquoi on les fait d'abord? Comment expliquer la faisabilité d'une iléostomie de protection? C'est quand on lève la totalité du rectum et du mésorectum, on dévascularise le segment qui reste en bas. Le canal anal est complètement dévascularisé. Donc, on l'expose à des fistules. Et lorsqu'on les expose à des fistules, pour réduire justement la gravité de ces fistules, on fait ce qu'on appelle des iléostomies de protection. C'est ça l'indication. On ne les fait pas à tous les coups, mais le plus souvent, on les fait de peur justement d'avoir ces fistules. Pourquoi on ne fait pas de radiothérapie dans les tumeurs du rectum? Voilà. Je vous ai dit, l'indication de la radiothérapie préopératoire est essentiellement indiquée pour les cancers du bas et du moyen rectum. Dans une seule condition, on les fait pour le cancer du rectum, du haut rectum. Lorsqu'elles sont localement évoluées, puisqu'il n'y a aucun consensus à ce jour, qui a montré que pour les cancers du rectum, on ne fait pas de radiothérapie. On le fait pour les cancers
localement évoluer, c'est-à-dire les cancers T4. C'est la seule indication de la radiothérapie pour les cancers du haut rectum. Je dis bien les tumeurs T4. Ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Les T3 et les T2 et les T1 du cancer du haut rectum, c'est la chirurgie. La radiothérapie préopératoire pour les cancers du haut rectum ne s'adresse uniquement pour les tumeurs T4, alors qu'elle s'adresse pour les autres stades, pour les tumeurs du bas et du moyen rectum. Eh bien, merci à vous. Merci à vous tous d'avoir suivi cette session agréable. Et je vous